Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau jeu rétro. Il s'agit de Mighty Final Fight. Autrement dit, un jeu sur la franchise Final Fight où on contrôle les personnages principaux, mais en mode petit, si je puis dire. Vous avez été très vite savoir pourquoi. Bon, là, c'est rien, juste le scénario du jeu. Que une bande de malfrats veut semer le chaos dans la ville. Voilà, j'ai choisi Guy. Voilà, donc voici donc, c'est là quand je vous dis que c'est vraiment Final Fight version petit, et les personnages sont petits. Alors que c'est pas si mignon en version petit, je sais pas pourquoi. Ah, je savais bien qu'il en manquait un. Voilà, toi tu dégages, tiens. Tiens! Allez! Oui, alors faites gaffe parce qu'il y a certains ennemis qui peuvent frapper très vite. D'ailleurs, le jeu me rappelle étrangement Double Dragon sur NES. Les mêmes décors, les mêmes graphiques, enfin les mêmes graphismes, ainsi que le même thème. Allez, on continue, on bastonne, voilà. Ah oui, j'ai choisi Guy. Et bien évidemment, vous pouvez choisir aussi Cody et Agar. Donc le jeu reprend exactement le même scénario que dans les précédents Final Fight. Comme je viens de vous dire, une organisation criminelle, Majir, veut contrôler la ville. Et Jessica, la fille du maire, a été kidnappée par le gang et vous devez la délivrer. Oula, eh, du calme les mecs, hein, oh, on se calme, hein. Là, ah tiens, des tonneaux. Ou plutôt des bidons, parce que c'est pas vraiment des tonneaux à proprement parler. Enfin, est-ce que les tonneaux ressemblent à des bidons? Oui, y a pas de raison. Bon, peu importe. Allez! Ah mais putain! Oui, faites gaffe aux mecs balèzes, aux géants, ils frappent très très fort. Ah merde, en plus je suis mort, mais je suis revenu. Allez, mais putain, mais crève, crève, putain, mais toi aussi crève. Allez, allez, putain. Bon, de toute façon, il n'y en a plus pour très longtemps. Tiens, je vais t'achever à coup de tatane. Et voilà. Tu l'as pas volé celle-là. Ah, tiens, et là, on va s'intéresser tout de suite au premier boss du jeu, si je me souviens bien, c'est Dan. Un Thrasher, oui, parce qu'en VO, c'est Thrasher. Alors, Bobby Farm, Don't you know, Rule Streets, ah, je suis supérieur. Ouais, mon cul, ouais. Oui, oh, abrège la discussion, s'il te plaît, j'ai envie de jouer. Ouais, en gros, il veut lui proposer d'être membre de l'organisation de Majir. Bien sûr, vous lui direz non. D'ailleurs, ça me rappelle étrangement un scénario de Street of Rage 1, où il y a le boss, enfin, le boss final du jeu vous propose de vous joindre à lui. Vous pourrez répondre soit oui ou soit non. Ça dépend. Allez! Coin, mon gars, yeah! Yeah, allez! Attention. Voilà! Niqué! Niqué, niqué! Allez! Deuxième niveau. Voilà, et on continue à buter des ennemis. Voilà, oui, toi tu t'en abuses pas, toi, hein? Voilà. Allez, coup de tatane. Coude. Voilà, allez, oui, voilà. Oui, faites gaffe je crois que c'est son, c'est Elgado. Oh, une véritable time celui-là. Ah putain, allez, oh, faut pas chier. Putain, oh, mais putain, mais lâche-moi, toi, oh. Voilà, ça fait un. Oui, ça fait un de moins. Bref, le jeu est bien, mais bon, il peut se montrer pas simple.
Et bien évidemment, c'est édité par Capcom. Allez, on continue, on tabasse des ennemis. Voilà, c'est parfait. Oh, encore Rolento, c'est pas possible. Allez, approche, qu'est-ce que t'attends? Voilà. Bon, mis à part ça, je trouve le jeu graphiquement assez beau. Ça va. Bon, d'accord, c'est du 8 bits. Et bien sûr, ce jeu est sorti sur Nintendo, en tombé sur la NES, hein, bien évidemment. Allez, voilà. Pa. Allez, fais marre. Yeah, ouais. Ouh. Allez, allez. Ah, bien joué. Vraiment bien joué. Voilà, parfait. Voilà. Là, si je me souviens bien, on va rencontrer encore d'autres ennemis. Ah oui, il y a aussi un autre il y a un autre boss. Je suis sûr que vous l'avez déjà croisé, que ce soit sur ce jeu ou dans les d'autres supports du jeu, c'est Sodome. Oh, il est très difficile à battre. Non, c'est pas des conneries, hein. Vous savez, Sodome, l'espèce de mec avec un masque de samouraï qui visiblement est un grand passionné de la culture japonaise. Bref, je vous le montrerai. Celui-là, il est très difficile à battre. Alors que je suis en train de tabasser encore d'autres voyous. Voilà. Allez. C'est parfait. Oh non, pas encore les géants, s'il vous plaît. Merde. Allez, dégagez. 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 Ah, yeah, parfait. Bien joué. Voilà, toi t'es mort. Toi tu vas te faire niquer. Et voilà. Voilà. Coup de poing, gros coup de pied dans ta face. Ah, encore des bidons. Voilà. Voilà, j'ai gagné un poulet et une canette. Oui, alors les seuls items que vous allez retrouver dans ce jeu, c'est de la nourriture. Voilà. Que ce soit des canettes, ainsi que des poulets. Voilà. Et des cuisses de poulet. Voilà. Allez, dégage, toi. Oh, belle glissade. Allez. Oui. Allez, oh, putain. Ils viennent par millions ou quoi? Allez, hasta la vista. Ah voilà. Voilà donc le fameux boss, le deuxième boss de ce niveau. Ah oui, le voilà le fameux Sodome. Oh là 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 là. Oh, Sodome comme sodomie quoi. Ouais, on s'en bat les couilles de ta vie mec. Alors, franchement ce boss... Il est très difficile parce que des fois quand il fonce dessus, quand vous essayez de l'attaquer, il vous donne des coups de sabre. Et c'est pas simple. Ah putain, et comme je vous le disais, il est pas simple. Enfin, il est pas facile à battre. Ah mais c'est... Putain mais les glandes, je vous jure. Oh. Ah mais vas-y, putain. Oh là là, mais vas-y, 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 vas-y. Oh putain. Allez, tiens, 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 continue dans les couilles. Je vais pas voler celle-là. Eh merde! Bon, pas bon, si je réussis pas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on l'a déjà vu pire. On l'a déjà vu pire. Pouh! Mon cul! Mon cul! Je sais même pas comment il faut faire. Attends, je crois qu'il faut suivre ses mouvements. Mais le problème, c'est que suivre les mouvements de son adversaire, c'est bien. Mais bon, même ça aide pas. Hein. Oh, et merde! Pute! Oh, bon, là, bon, ça suffit. J'en ai marre parce que là, c'est. Ouais, j'en ai marre. Bon, je crois
Je propose qu'on s'arrête là. Bon, de toute façon, j'ai fait ce que je pouvais, mais bon, n'attendez rien de ce jeu. Bon, alors voilà donc les gens, c'était donc Mighty Final Fight sur NES. Cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour nos prochains tests.